take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4. Et pour ce qui est du petit problème de ralentissement, j'ai pas pu régler ça. Donc on va essayer de pas mourir pour pas se taper de ralentissement. Je crois que c'est là d'où je viens, ça. Donc si je m'en rappelle bien, on est parti pour aller se faire tuer. Chut, il y a quelque chose en bas. Pourquoi je peux pas aller tirer de là, là, hein? Merde. Ne bouge pas, attends que je te fasse. Ok. Bon. Toi là-bas, tu veux pas venir vers moi? T'es où? Ensuite. Voilà. On est paré. Si j'arrive pas là, j'y arriverai jamais. Allez, descends toi. Regarde, celui-ci est différent. Merde. J'avais remarqué. Voilà. Ah, puis il se ramène en masse là. Que je veux faire sauter. Voilà. Ah.
Ouh, c'était chaud là. Je peux pas passer loin. C'est bon. Récupérons la môme. Voilà. Quand je suis pas trop fatigué, ça va, j'y arrive mieux. J'étais déjà plus organisé. Voilà. Je sais pas ce que je veux faire. On peut pas la laisser tomber. Ah oui, il y a la petite là-bas. Ah, j'avais oublié là, moi. J'aurais pu rester là où elle était. En plus, ça veut dire que je suis crevé après, je suis sûr que c'est pas vrai. On est en sécurité. Tu peux trouver un chemin ? Comme si qu'elle pouvait pas y aller. C'est ouvert. Waouh, 4 étoiles. Il est mignon ton ourson. C'est ton ami? Lottie est une fille. Le gentil monsieur me l'a donné. Quel gentil monsieur? Le monsieur de Terra Save. Il m'a sauvée quand j'étais toute petite. Une personne de Terra Save a pu être capturée. Ah, c'est par accord avec mes tenues là. Oh là 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 là. Gabe. T'inquiète, je crois qu'il est pas mort et qu'il va venir nous voir. Ok, bon ben on n'était pas loin encore hein, une fois hier, mais c'était pas la bonne encore. Bon. Mais non, on s'en fout.
Oula, elle a pris cher. Moira essayait de rejoindre cette tour quand j'étais avec elle. Ma puce, écoute. J'ai besoin que tu m'y conduises. Est-ce que tu peux le faire? On est reparti avec lui. Moira. Non. C'est pas possible. Elle ne peut pas. T'arrêtes de bégayer. Alors, Moira, t'as pas trop embêté? Non. Elle était gentille. Elle a un bon fond. Parie que tu lui as rappelé Polly. C'est sa sœur. Où as-tu trouvé ce bracelet? Sur l'île. Une femme l'utilise pour nous parler. Je crois. Je ne suis pas sûre. Une femme? La sentinelle? J'ai lu un rapport sur elle et ses expériences. Oui. Barry, regarde. Quoi? Mais ben c'est bon, j'ai besoin que tu me dises pour voir ce qui est arrivé en face de moi. Terra Save. Edward Thompson. Il était avec Terra Save. Bon sang, je lui ai pourtant dit de se tenir à l'écart. Il y a des monstres là-bas. Cache-toi, je vais m'en débarrasser avant qu'il nous repère. Non, t'as l'air fine avec ton nounours, toi. Ouais, autant courir, quoi. Il y en a d'autres. Trois d'autres, toi? Non.
Non, par contre. Bon sang, j'ai besoin d'une clé. Petite clé. Bon, s'il n'y a rien là, je pense que la petite maison là au milieu ne doit pas être là pour rien. Il doit y avoir un trou quelque part pour que la petite à rentre. Ou non, je peux monter sous le toit. Ah non, même pas. Je peux même pas monter. Mais what? Y'a rien en fait. C'est pas là. Ah, c'est chelou ça. Je vais où moi? Ah là, j'avais pas vu. Oh, je vois jamais rien. Attention, il y en a beaucoup par ici. Essayer de s'en débarrasser plus rapidement possible, plus efficacement possible. Cache-toi dedans. Toi. Je peux se faire à grand chose. Mais... Putain, je l'ai pas vu, c'est quoi ce délire? Putain, je l'ai pas vu quoi. Il devait être juste là en fait. Ah, puis t'en as un autre. Ah, il est pas mort. Merde, je crois qu'il était mort. Ouais, après... C'est bon là. Oh, j'aurais dû regarder combien il y en avait avec elle au début. Et t'as quoi toi? Donne-moi ça.
sinon pour répondre à un message de d'un abonné ou pas, je sais pas si il est abonné ou pas, mais qui disait qu'il trouvait que Evil Within ressemblait fortement au à ce Resident Evil. Je dirais plutôt bon, déjà dans l'ambiance Resident Evil a toujours été dans. On devrait pouvoir passer. A toujours été dans cette ambiance là déjà donc le viens m'aider le lieu en lui-même enfin viens m'aider la façon de comment dire enfin le jeu est très ressemblant ça c'est sûr après dans les directions enfin tous les jeux de zombies vont être un peu ressemblants hein, surtout ceux qui sont dans l'esprit village paumé comme ça enfin petite île ou machin ça fait vachement Resident Evil 4 aussi un peu mais Evil Within j'aimais bien et c'est enfin c'est pas faux ce que tu dis en gros. Bon on est reparti là. Oui, j'étais trop loin là. C'est foutu, je suis pas trop pigé tout leur système de trucs là mais... Ouais c'est bien, tout ça pour ça. Maintenant, on doit descendre là. C'est ici que t'as rencontré Moira, par là-bas. Oui, près de la grande tour. Vers là-bas que tu l'as perdu, oui. Ici, tu ne le vois pas. Ouais.
Ah ouais, il y a l'autre avec sa tronçonneuse qui doit toujours être là, quoi. Enfin, avec son espèce de pic là, je sais pas quoi. Ma vue est comme en train de... Paris, il y a quelque chose ici. Je ne vois rien du tout, mais indique-moi où. Il se rapproche. Il se rapproche. Tu l'as touché. Continue. Putain, c'est quoi ce délire? Des monstres invisibles. Ah, ça va être fun. Oh non, ouais, putain, mais faut arrêter avec vos délires de trucs invisibles là, c'est chiant, c'est déjà assez chiant comme ça. J'ai toujours regardé avec elle voir s'il y a pas un truc. Y'a qu'un, hein, rassure-moi. On va aller là-bas. Il se rapproche. Tire, tire. Tire, tire. Vers la droite. Tire, tire. Vers la droite. Bon, ça va, ils sont assez longs. Putain, s'il arrivait à 200 à l'heure, je sais pas ce que je verrais branler, mais je ferais pas long feu. Quelqu'un a fait du dégât, bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, si tu savais. Alors. Alors, est-ce que je dois pas aller voir là-bas, là où il y avait l'hélico? Non, un vieux mur invisible. Donc c'est pas ça.
trois verrous. Putain, il a intérêt d'être bien le truc. C'est pas mal quand même. De quoi plein. On veut bien trouver un truc à combiner là. Voilà. Hop là. Passe pas là, t'es nul. Bon, alors, j'imagine qu'on va devoir se barrer par là. Là, il n'y a plus d'échelle. Harry, il y a quelque chose ici. Le monstre vient vers nous. Oui, bah laisse-le venir, là. Pour l'instant, il est pas là. Harry, il y a quelque chose ici. Coucou, je suis là. Il se rapproche. Des monstres là. C'est pas, c'est quoi ce truc bleu? Ah, c'est une pierre pour toi. Ramasse ta brique. Je suis déjà venu. Non, tu crois? Moira était peut-être là, elle aussi. Enfin, elle est con cette gamine. Elle était au bord de la plage, elle s'était bien échappée. Enfin, voilà quoi. Et je rencontre un adulte qui veut retourner sur l'île. Oh ben je vais retourner avec lui. Je suis mieux en sécurité avec lui, ça c'est sûr. Un monstre arrive. Ah oui, il arrive. T'as de bons yeux, toi, dis donc. Il a vachement l'air d'arriver. Tu vas se coucher. On va te garder quand même en vue là, comme ça tu vas me dire où ils sont de loin.
Ah bah non, pas de loin. Voilà. Bon bah je vais peut-être garder le gun. Ils ont l'air d'être visibles déjà. J'ai pas trop besoin de toi. Bon alors j'ai fait une toute petite coupure parce que j'ai reçu un appel. On reprend. Il commence à pleuvoir. Tu vas avoir assez chaud. Ça va aller. Alors, où sont tes parents? Ils sont morts. À Terragrigia. Vous étiez là-bas quand la ville a été détruite. Je suis désolé. Ça n'a pas dû être facile. Tu es très courageuse. Merci. C'est notre devoir de protéger les gens comme toi des bioterroristes. On aurait dû vous sauver. Tu es parti où après? Terra Save m'a placé dans un orphelinat. Je suis désolé, Natalia. J'arrête de te poser des questions. Bon, c'est bon, elle est grande maintenant avec tout ce qu'elle a vu, elle peut répondre à trois questions. La poudre à fumer. Ceci, traduction un peu particulière. Je viens de récupérer de la poudre à fumer. Oui, elle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'attendais votre venue. Là. Rien. On y va. What the fuck? C'était quoi ce truc? Sympa de leur part de nous avoir attendus. Putain. Merde. Pas juste. Et t'as hâte de bugger. Hein. C'est pas ça que je veux. Non mais il bug en plus là, ça m'énerve. Putain, c'est pas quand je suis en train de viser qu'il faut commencer à bugger. Parce que j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, ce qui va rien à faire. Alors l'autre, il s'était barré par là, à part ce petit trou là. Peut-être, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, allez, go. Pas un truc qui brillait là? Alors, en bas, en haut, en haut, en bas. Ils sont à l'intérieur. Attention. Vas-y, dégueule-moi dessus, on ne dira rien.
comment il se relève. C'était chaud pour moi, gars. Ah, t'es pas beau. Ah, t'es pas beau, t'es moche. Vas-y, disparais. Vaut mieux. Alors attends, avant de te barrer, si t'allais voir ce qu'il y avait à l'étage, bon j'imagine qu'il y avait rien encore. J'ai rien loupé, ce qui avait rien à voir. Mais voyons quand même. C'est bouché. Et il faut une tronçonneuse. Une perceuse. Donc ok. J'ai rien. Par contre la perceuse, j'ai encore affaire à ce truc là. Est-ce que je vais pas devoir tuer le mec? Il y a de fortes chances et que je vais peut-être pouvoir récupérer la perceuse. Ça sera pas mal. Après de durs efforts pour la récupérer. Mais c'est juste pour grimper ça. Bon allez, hop. C'est quoi ce truc? Ouh, il a pas l'air content. Ah bah non, il a pas l'air content du tout. Si vous recevez des fluides, vous pouvez être aveuglé. Ouais. J'ai reçu un fluide corporel intense. Et très pâteux. Arrête de bouger. Oh mais il m'a pas touché avec son fluide corporel intense. Putain. Alors, fumigène, molotov. Voilà. Ça fera un peu de vacances. Mais putain, arrête avec tes fluides corporels intenses là. C'est bon, on le sait que t'es en demande. J'arrive. Mais lâche-moi avec tes fluides. Vas-y, envoie ton truc. Crache ta sauce. Mais non, je t'ai pas demandé de te soigner. Oh, pas ça que je voulais faire, moi. Tiens, et hop. Il est bien ce fusil. Allez, viens avec tes petites mains. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'aimes bien te compliquer la tête, toi. En fait, c'est quand elle se fait chier, vu qu'elle a rien à faire, à part me suivre. Ah, bah tiens, si je montais là-dessus. Oh. Bon, allez, dépêche-toi. C'est pas grand-chose, et puis en plus, t'es pas doué. On va taper, hein, on sait jamais. On va dire que c'est là. Voilà, cool. Ouais, un truc pour porter plus de trucs. Alors, quelque chose, sois prudent.
C'est quoi ça? C'est rouge, mais tu sais pas quoi c'est, pourquoi. Attends, vas-y, descends, pas comme ça là. Descends là normalement. Même pas s'assied ou quoi que ce soit. Elle peut même la remonter comme ça. Pourquoi tu vois du rouge là? On va pas chercher à comprendre. Et B. Bon bah go dans le bus. Non. Oh. Bien sûr, il me boit comme ça là. C'est prévu automatiquement, j'aurais pas pu pas faire qu'il me voit. Tiens, en ta tête. On va se coucher. Mais non mais... Oh. J'ai pas compris. C'est toi qui as donné un coup de brique? T'es bien placé hein. Ah, on revient là. Paris, il y a quelque chose ici. C'est quoi ce délire? Il se rapproche. Mais quoi? Quoi se rapproche quoi? C'est quoi? C'est où que tu vois quelque chose? Le monstre regarde ailleurs. Oui, bah alors qu'est-ce que tu racontes qu'il se rapproche? Paris, il y a quelque chose ici. Tais-toi. Ah, c'est fermé. Oh, c'est un truc volant encore. Oh, il y en a plein. Il y a quelque chose. Sois prudent. Je vois rien, c'est chiant ça. Il se rapproche. Tire, tire.
quelque chose. Sois prudent. Putain, mais ça vient d'où là? Oh putain, ça pardonne pas ce machin là. Oh. Ah, il pardonne pas, hein. C'est, t'as beau avoir toute ta vie, c'est un coup, t'es mort. Et puis en plus, c'est invisible quoi, vas-y, ils sont pas chiants quoi. Je sais même pas d'où il débarquait son truc là. Allez, c'est chiant là, si on doit se taper un bug à chaque fois. Ah oui, mais... Je sais pas où tu le vois moi, mais... Pas peur, t'es pas net toi. Elle est pas nette. Mais où est-ce que t'as été te fourrer en même temps là? Bah oui. Paris est en route. T'es où? Allez! Merci. Il se rapproche! Viens m'aider. Ouais, bah attends, alors. Sûr qu'il n'y a plus rien, ouais. Viens m'aider. Oh là là. J'en étais loin. Je sais pas trop comment ça marche leur système là, mais c'est très bizarre. Il dirait qu'il faut trouver le centre, mais des fois ça... Je vois pas en quoi c'est le centre. Il y a quelque chose. Sois prudent. Paris, il y a quelque chose ici. Paris, il y a quelque chose ici. Voilà. Je
crois qu'on est tranquille. C'est toi qui m'as fait chier quand on était là tout à l'heure. Ok, bon. Du coup, on grimpe. Trop avancé là. Faut aller où là-dedans, ce patelin là? En fait, c'est trop, j'ai fait tout ça pour rien, fallait juste aller là. En fait, ça se trouve, j'aurais pu éviter tout. C'est pas grave. Bah, c'était pour récupérer les petits trucs dans la manette. J'ai rencontré Moira ici. D'accord. Bien. Dépêchons-nous. Non, mais là, ça fait 6 mois qu'elle est partie. Mais j'ai pas de perceuse, je sais. Ça marche pas. Il va falloir trouver un autre chemin. D'accord. Non. Non. Ça marche pas. Donc c'est par là où tu vas devoir passer, j'imagine. Et là c'est fermé. Allez go la petite. Ils sont partis.
Barry, il y a quelque chose ici. Oui, mais il est pas là, il peut pas t'aider ton Barry. Oui, là. Oui. Très étrange comme écrit. Barry, il y a quelque chose ici. Eh, ma petite, mais je crois que t'as pas le choix. Ah bah si. Faut pas grand chose. Bon. J'ai rencontré Moira ici. Allez. Bien. Dépêchons-nous. Allez. Fais ta petite session bug là, c'est bon. T'as fini. On peut repartir. En fait, je suis con, moi. Il est là. Je suis vraiment con. Putain, puis arrête de bégayer. Arrête de bégayer. Allez. Désolé, je suis désolé, pardonnez-moi. Ah, c'est l'autre qui est complètement perché en hélico là. Il est resté coincé là. Bon. On va descendre du coup.
Non, c'était où? C'est là. Vas-y, reste avec moi, toi. C'est où qu'il y a un truc de l'autre côté du mur? Non, je sais pas d'où on vient. Fermé. On peut pas y aller. Bien sûr, obligatoire la petite. Donc là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il faut que je me quitte à lui ouvrir. Voilà. Il se rapproche. Ouais, ça sert à rien en fait, ça. What the fuck? Je comprends pas. Il y a quoi ici? Il y a rien. Bon bah écoute, c'était juste pour le petit truc bleu. Bah du coup, je sais pas trop où que j'aille où. Je vais remonter en haut. Là, y a pas un petit truc pour entrer quelque part que j'aurais pas vu. Une seconde. Voilà. Wow, tu parles d'un atterrissage. Côté discrétion, il n'y a pas mieux. Mais bon. Talia, reviens! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Voilà le sort qui les attend tous. Mais arrête de bugger là. Tu te débrouilles bien.
Mais oh. Mais non. Je crois que c'est mort. Vous êtes mort. On va dire qu'il n'y a pas trop d'espace non plus. C'est pas très pratique hein, pour se déplacer là-dedans. Bon. Au moins je vais récupérer. Pardon. Au moins je vais récupérer la perceuse. Ah, c'est chiant. Voilà le sort qui les attend tous. Qu'est-ce que tu veux là? Je crois que tu veux me voir comme ça. Allez! Allez! Donne-moi ta perceuse là, donne. Donne ça là. Voilà. Bon, ça devrait nous laisser plus de pistes à creuser. Mon pauvre ami. Bon alors. C'était en bas, je crois. Je sais même plus où elle était, ce truc. Bah. C'est quoi ce délire? Je l'ai pas déjà cassé? Elle était plus bleue, de toute façon, ça se trouve. C'est juste pour dire. Bon. Ouais, c'était là, cool. Alors, il a cramé. Non, c'est pour ça que je voulais que tu fasses.
Donc on s'était arrêté là, pas loin. On s'est séparés ici avec voilà. Mira. Ensuite, le gentil monsieur est venu et m'a emmené avec lui. Un monsieur ? Oui, celui de Terra Saïf qui m'a sauvé. Je me demande si Moira a rejoint la tour. Elle a réussi. Bien, allons voir ce qu'on peut trouver. Comme quoi c'est une menteuse, hein ? Comme quoi c'est une vraie menteuse ! Petite peste, va ! Je t'apprends, moi, à me dire qu'elle est morte alors que tu t'es fait enlever et que tu sais même pas ce qu'elle est devenue, là. Espèce de conne. Putain, tu parles d'un gentil monsieur. Je connais pas beaucoup de gentils monsieur qui piquent une petite fille à... qui croise un groupe de trois femmes et qui enlève la petite fille comme ça. C'est un gentil monsieur, oui. Sûrement. Et il t'a fait quoi, le gentil monsieur ? Il t'a fait quoi avec le gentil monsieur ? Il t'a donné un nounours ? Et... Bon alors. Cet endroit a changé. Ouais. Plutôt sinistre, hein. J'y étais là, c'est bon, putain, ils abusent. Petite topaz 1000, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Ah, c'est quoi c'est... Ah, c'est dégueulasse, regardez, c'est des vrais bébés. Ah, c'est crado. Des phobos. C'est charmant tout ça. Putain, si je peux même pas te buter, sale vieille pute. C'est pas drôle. Mais c'est des cadavres, non, c'est des pantins. Me dis pas qu'ils ont accroché des cadavres de bébés partout, quoi. C'est gore. Ah, vous êtes encore pas raccord dans les tenues.
Wesker? Elle fait trop peur. Je la déteste. Qui? La femme qui est avec Wesker? C'est elle, Wesker. Alex Wesker. De Wesker? Tu rigoles, j'espère. Alors tu es venu finalement. Putain. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, tu ressembles plus à rien. Prochainement dans Révélation 2. Attends. C'est à Moira. Rien. Aucun signe d'elle. Oh ! Et comme par hasard, c'est n'importe quoi cette usine. Elle est responsable de l'expérience d'il y a 6 mois. Non. Il y a tous nos noms dessus. Que t'est-il arrivé ? Où est Moira ? Ouais, et bah donc c'est la fin de cet épisode, donc pour moi l'épisode 4. Et puis je vais vous dire à bientôt pour la suite, l'épisode Le Verdict que j'aurai dès que j'aurai récupéré, enfin que je pourrai découvrir avec vous dès que je l'aurai récupéré. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Fait quand même 1h30, c'est pas mal, donc un peu moins long que celui d'avant, mais bon voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même, et on se retrouve donc déjà pour la suite et très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.